Hey yo tout le monde, c'est Akogon, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode, oui je sais c'est triste, de notre série sur Arc Fjordjour, toujours accompagné de Gab. Au programme aujourd'hui, bah des boss, hein, on va faire tous les boss de la map Fjordjour, avec nos superbes Rex qui ont, je le rappelle, 35 000 PV et tous 600% d'attaque. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans une ambiance de joie et de bonne humeur, bonne vidéo. Mec, je te jure, il est magnifique celui-ci, je le prends. C'est quoi, niveau 85? Balek. Comment on va faire pour amener les Rex? Parce que la dernière fois on avait des petits cônes chez nous, mais là. Là on décrit pas de moi. Je me fais attaquer par un Spéodon. Oh no! It's broken! Non mec, Lucharnius il attaque un mammouth. Je dois protéger Lucharnius. Mais tes paupières se font lourdes! Très très lourdes! Voilà, t'es prêt? De quoi? Oh, il est magnifique putain. On dirait qu'il s'est agent 4. Ah bah on est arrivé. Ah, c'était rapide. Alors, mec, on a oublié les runes. Ça nous arrive tout le temps. Oh là là, c'est tellement beau. Tu veux faire le Uchi ou tu veux faire la Rex? Moi ça m'est égal. Moi je fais le Rex. Ça va pop ici ou ça va je sais pas part. Mec, regardez les vidéos parce que mec si jamais faut remettre tous les réseaux. Vas-y cliquez. Cours. Ah je les vois pas. Ah non plus je t'avoue. Si ils sont là. À l'attaque. Allez tabassez-les. Mais y'en a qui attaquent pas. T'inquiète je vais régler ce problème. Le pire fait ouais, ouais. Il vous crame un peu là non? Ça fait absolument zéro dégâts mec, ça me termine. C'est des loups. Chef, le boss est sur le Yuti. Merci mec. Je suis congelé. Ok, c'est bon. Ah, moins un. Attends, j'aurais dit de tabasser l'autre. Oh, bah, ils y vont tout seuls. Mais attends, mais ils saignent les boss en vrai. Les Rex. Non, vraiment pas. À moi le kill. Alors, à mon avis, t'as eu du loot. Attends, j'ai cru entendre tronçonneuse mythique là. Un schéma. Mec, tronçonneuse épique, élément, fois mythique. Je suis ready. Là, ours, 600. Ça rappelle les souvenirs. Hein. Petit ice cave là. Ouais. Tiens, mec. C'est bon, j'ai fini. Où l'outil? Je l'ai pas encore posé. Bah, je vais te le poser plutôt en arrière. Très derrière. Très bonne idée. Fail a été invoqué. Attends, je la vois. C'est bon, j'ai dit à tout le monde d'attaquer. Ah, c'est elle vole? Ouais. Bon, après, honnêtement. Bon, on les laisse. Ouais. Joins-toi au combat, wesh. Elle a de la vie, wesh. Je vois du. Oh putain, mec, elle nous met du 32, je sais pas comment on va faire. On va mourir, je crois. Ah, elle est dégueulasse, wesh. Niveau 1. Elle est horrible. Attends, hein, ça doit être du polymère, non? T'as fort? Mec, faudrait que je te montre un truc après le fight. Non, attends, je suis trop greedy, je veux le kill. Élément. Oh putain, c'est quoi ça? Le fusil à pompe légendaire. Schéma. Tape ça, genre 4-5 coups. Tu vois, c'est rigolo. T'as combien de polymères organiques là? J'en ai 400. Bienvenue à Fjordjour. Moins 46. Hop. Niveau bouffe, par contre, il la perd très vite, mon actuel. Mec, à ton avis, qu'est-ce qu'on a oublié? T'as pas oublié rien, mec? Bah, si. Ah. J'aimerais bien. Non, je jure, c'est trop beau ici. Ok, le Mewing pas. Bonjour à tous. Tu veux dire, j'arrive en plein meet-up là. Enfin, Brensto ici. Ok, alors fais voir un peu. Steinjord. Bon, les noms allemands c'était rigolo, mais. À l'attaque! Dis-leur d'attaquer s'il te plaît. Ah, il veut pas, il est pas encore là. Ah, c'est bon, je le vois. Il a pas mal de vie quand même. Il a 300 000. 300 000, c'est la Broodmother. Là, on est en train de taper une Broodmother si tu veux. Bon, on lui fait 0 dégâts là. Oh merde. Pas normal ça. Wesh. Force. Oh putain, attends quoi? Il fait aucun dégât par contre. Mais pourquoi il danse la Macarena? Je t'avoue, je suis en personne attaque. Je te jure, il y a un bug. Je vous renvoie. Mais je t'ai mis pour le boss là. C'est avec mes 9 de damage que je vais prendre le kill sur le boss, c'est parti. Allez, ouais, let's go, boss numéro 13. Mais par contre je te jure ils ont combien de PV? 5000, ouais ça va. Pantalon anti-émeute légendaire, des 30 éléments, on a place 3 en épique donc on se sent full. Schéma de mini. Y'a un Rex qui a 300 PV. Non mais mec je te jure ça a failli pas passer genre. Un coup de torche il meurt. Non mais juste avant j'irai faire pipi. D'accord. Tu sais quoi, on va l'activer, je vais finir de poser la Rex. Non. Plus de risques, plus de plaisir. 3, 2, 1. Bonne chance à tous, même si honnêtement. Mal foudroyé. Alors dis-moi qu'il n'y a pas de trou. Alors attends, tout le monde en passif. Je suis sur base 16, mec. Ok, mec, je crois avoir compris comment il marche le boss. Je vais chercher le singe. Lui, il met une balle, il n'est pas content. Ça me fume, tu sais que je le vois même pas. The court, il arrive. Attends, l'autre il l'a fait en 20 secondes, c'est ça? Attends, il a dit un truc, je l'ai fait en 20 secondes, moi. Ouais, il a dit, il a fait le boss en 20 secondes. Moi aussi, j'attaque. Ouais, vas-y. 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 20, 20. 20. 20, ouais. 20. Ah, on a fait pareil que l'autre, hein, voilà, j'ai fait 20 secondes. Je sais pas qui est-ce qui l'a buté. Bon, c'était. C'était difficile. Hein. Non, c'est vraiment ce boss, c'est une blague. Ils ont pris tellement cher, mec. Vraiment? Non. Y'a plus qu'à trouver le Rex. Ah, y'a un carqui alpha. Bâton. Bah attends, siffle-le. Non, mais on va aller. Y'a des mobs. Back. Attends, pourquoi je dis back quand j'ai une armée de Rex sur moi? Tu veux pas que je te donne un deuxième T-Rex? Tiens, attrape. Vous êtes tous cousins éloignés ici, d'accord? Vous avez fait pas mal d'inceste. je les tranquillise.
c'est bon, j'en ai tranquillisé, hein. Je vois pas. Bah, 16 ans là, on l'a, on l'a. Il est à côté du Yuti, mec. Ils sont vraiment en train de se faire des bisous. Elle veut pas attaquer. Ah, ouais, tu peux crier. Shift. Pas ce clip là. Ouais, ouais, j'ai compris. Allez, va attaquer toi. Pourquoi est-ce qu'on tape que du 400? On a pas chronométré. Non, mais elle, on va pas là. Je rigole, je rigole. Et c'est le GG. Et tout de suite, une démonstration des conditions de vie des T-Rex. Attends, il saigne lui là. On va voir tous les trucs disparaître. Ouais, vraiment, tu sais. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. 3, 2, 1. Allez. Il a tout pris. Oh le flow. Attends, tu peux me laisser mettre une musique s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Je vais l'enculer. Une pause. Go! Je peux en faire deux. Go! J'ai raté. Go! Ouais. Comment on fait du coup? Smash! Smash! Je suis déçu et je suis content. Combien? 265-40. Je crois que c'est. J'ai. C'est beau! Ok, là tu vois. Là c'est les mines de la marée. Oh, mais Wing, ça doit être trop stylé à faire. C'est tellement beau à faire. On dirait que je suis sur une cinématique là. Ah, ok. Bah, je suis à l'endroit que tu m'as envoyé. Là, il y a une zone aberration en bas. Alors, je pense pas que la chose, je vais pouvoir la faire pop pile en plein milieu. Non, t'en fais pas. Faut soigner un maximum. Ah, ça a marché. Ah, je peux pas, on peut pas. C'est une grotte, on est con. Ok, je veux un artefact de la puissance, un artefact de l'immunité, un artefact seigneur du ciel, un artefact de la ruse, la relique de Hati et la relique de Skull. 3. T'as cru quoi? Combien de queues dépassent du cercle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi je dirais une petite douzaine. Il y a 14 queues qui. Oh, c'est bon, on a compris. Là, attends, c'est sérieux là. Il est là. Ah! Ok, j'ai buff tout le monde. Ah bah attends, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Boule de feu, casse-toi! Il a invoqué. Ok, neutre, niquez-les. Attention, boule de feu. Ok, je suis bon. Il va atterrir. Ok, tout le monde est sur moi. Baisez-le. Ok, tape dans le dos, fais un truc. Il y en a qui prennent les dégâts de la lave. Merde, c'est pas de la fake lave. J'adore ce fight, mec. Mec, c'est toi les petits dégâts. Boss en deux est mort, ok. On s'en fout, boss en deux il pue la merde. Lui ici il a 2000 PV là. Allez, je peux vous. Ok, oh, boss 10 est mort. Ouais, heureusement ouais. Qu'on en a fisé. Oh, on s'en fout, hein, mais. Boss 15, boss 15. Boss 15, s'il meurt. Dis-leur tous dessus, sinon on va dans la lave. Boss combien qu'a tué? 15. 15. J'ai tout. Oh, 80 éléments, un trophée dragon. 3, 2, 1, 4 tonnes. Mec, je clique sur ma touche, moi, je crois. Ah, ça marche là. C'est rapide. Oh, on peut aller que sous-droit par contre. Oui. Ah, il l'a fait l'oiseau de merde. Yeah. Ouais, je t'ai pas mis. Je pense que ça va être là, je sais pas pourquoi. Ok, donc là, Luke, bah tu vois dans les bras, tu vois à droite. Juste là. Est-ce qu'on le prend et on. Bah ça dépend. Attends, mets-toi en position, on le prend et on tue tout. Niveau 170. Prends-le. Il y en a un peu beaucoup là, non? Mec, ils m'ont mis deux au mur par contre, c'est un peu la merde. Ah, j'en ai tué un, c'est bon. En fait, c'est vraiment, ils ont pas de vie. Je regarde les autres. 175, mec. Ok, c'est-à-dire qu'il y a un 975 potentiellement. Potentiellement. C'est beau. Alors, 185. Bon, c'était facile, hein. Je suppose que je vous dois quelques petites explications. Et oui, après littéralement des mois de jeu sur les différentes maps, donc The Island et Fjordjur, eh bien les serveurs ont fermé à un jour avant la fin de notre aventure. C'est-à-dire qu'en fait on était prêts, nos règles étaient là, on allait déglinguer le boss, et non, la map a fermé. Donc voilà, là on se retrouve où il y avait notre base, il n'y a absolument plus rien, tout a été supprimé. Les serveurs ont reset et on n'a même pas été prévenus, donc c'est vachement injuste quand même. Bon bah voilà, après on était censé fight le boss, donc il était quand même assez magnifique je trouve. Ah voilà, il envoie des loot glace, il invoque plein de Fenrir, donc c'est des loups qu'on aurait pu avoir en le tuant d'ailleurs. Ah voilà, il crache des lasers de glace, etc. Il a pas beaucoup de PV, il en a que 300 000. 385 000 PV, ce qui n'est pas énorme, hein. Le dragon en avait plus, la Brunmother en avait tout autant. Bref, on aurait pu très clairement le battre, hein, ce boss, ça aurait pas été un gros problème. Voilà, mais malheureusement, du coup, les serveurs ont fermé. Je vais donc devoir mettre fin à la vie de ce petit loup. Voilà, encore une fois, la reine qui est vraiment magnifique. Voilà, avec la tour rouge qui est enchaînée comme ça, c'est juste trop beau. Bref, c'était vraiment une super série sur une map incroyable. Merci à Gab de m'avoir soutenu pendant tous ces épisodes. C'était Aquagon, ciao!